Salut! Salut! Tout mon gagné, c'est pas scientifique, tu comprends? Salut à tous, c'est Polo. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? On part 13h de bus, je sais que tu filmes pas. Il y a la lumière rouge. Match demain à Marseille. Et dimanche on va à Cham, donc voilà. Tout va bien se passer. Dimanche c'est important, non? Si on gagne, on est champion de poule B. Et on monte en poule A. C'est la fête. T'as fait quoi ce matin? Tu t'es entraîné? Oui. Derrière, t'enchaînes avec la journée de boulot? C'est ça. Et après tu fais un petit bus, 13 heures de voyage. Un petit bus. Et après... Et tu vas dormir par terre. Ouais. Est-ce que tu vas laisser ta place au gars qui fait la caméra? Absolument pas. Allô Marc? Allô, ça va? Ça va toi? Ça va bien, ça va. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je travaille. Lui, il y a une couchette. C'est clair. C'est qui a géré la brise? C'est le gars qui va chercher le pain après. Là, j'ai compris. C'est le gars qui fait le café après. Bah, c'est des prises. Ah, c'est l'opole, c'est l'opole. C'est clair, mais... La réelle hiérarchie, c'est les plus vieux qui se placent en premier. Et ouais, et les jeunes rentrent après. Ça va, c'est pas grave. Ça sert à ça. Ça sert à ça. C'est mon lit de la nuit. Donc, même en soirée, on dort mieux. Bonjour. Vous avez dormi? Très bien, par terre. Au top. Donc comme j'ai dit, parlé hier déjà, mais je vais revenir un peu sur Marseille, d'accord, et sur les choses importantes pour ce soir. J'ai dit, c'est une équipe qui va jouer avec le sentiment d'urgence, d'accord, le fait de leur position au classement, hein, 12e, d'accord, ils savent qu'il leur reste pas grand chose s'ils veulent se sauver. On sait aussi que nous, contre Épinal, on n'a pas connu un bon départ, d'accord, on sait que c'est important. Donc vraiment aussi une des clés ce soir, avoir un bon départ, être prêt, et le dernier point, la discipline. D'accord, donc ils jouent avec deux défenseurs, celui qui a le palais en bas et un à la ligne bleue ici. D'accord, c'est eux qui shootent les deux, la plupart du temps leurs deux défenseurs utilisent les lancers du haut. Ils n'utilisent pas de trappe la plupart du temps, ils pressent tout le temps 2-3, 2-3, 2-3. Si jamais, sinon on utilise notre contrôle, breakout comme d'habitude. D'autres questions? D'autres choses? Bon réveil musculaire de tout le monde. Ok, merci.
vidéo passe. Ouais. Ça, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes un petit coup de polish? Ouais, bah en fait c'est... C'est du lave-visière, c'est pour éviter qu'il y ait de la buée, et puis ça la rend un peu plus propre, on va dire. Ah ouais. Parce que sinon elle s'abîme vraiment trop vite, tu vois, déjà celle-là elle est bien abîmée. Je pense qu'il faudra la changer. Chouette, elle est sympa la chaussette. Ouais, en fait, je me suis battu avec un autre au dernier match. On va en faire de nouvelles chaussettes, mais j'aime pas trop changer les chaussettes. Ah, c'est rituel? Non, c'est pas un rituel, c'est juste que je suis pas confortable. En fait, j'ai joué 2 ans sans chaussettes parce que je voulais pas changer de chaussettes. C'est vrai? Ouais, ça pue, c'est pas bon. Petit strap fait maison. Ici, il est bon. Là, le genou, il est parti pour 60 minutes. Super. Il vous a montré comment TP sa grosse. Maintenant, c'est comment TP son genou. Après, on passe à quoi, Polo? Voilà. Être passé un peu. Le truc avec ça, c'est pas être patient. Si t'essaies d'aller trop vite, après tu rebrasses un peu parce qu'il vient compacter un peu sur le côté. Ouais. C'est vrai? Faut que tu sois patient. Parce qu'après, faut que tu lèches tout le goulot, l'eau un peu. Finisher hit on the defenseman. They have 4D that they're playing the whole game. They're not gonna like it if they're taking body checks every fucking 2 minutes. Let's go.
0, t'es les playoffs. C'est ça. Parfait. C'est bien. 3 points. Et demain, tu enchaînes. On enchaîne à Chablis. C'était un peu dur, mais il y a Ronny qui nous a bien tenus, donc ça fait du bien de gagner à l'extérieur. Et de rejouer comme ça le lendemain, c'est pas trop dur de se remettre dedans. J'avoue que oui. Ouais. C'est un peu dur, mais avec une bonne nuit de sommeil, ça le fait. On a vu hurler, je le fais pas tout le temps, mais il y a des fois. Bah, il faut enlever les trucs, quoi. Parce que là, si on sort du premier tiers à 2-0 pour eux, c'est pas un scandale. Ah non, c'est clair. Moi, j'en sors une sur la ligne au dernier moment. On doit pas. Aussi, contre une équipe comme ça, on doit pas jouer comme ça. Je préfère jouer comme ça, sortir de ça. De cette merde, on va dire, plutôt que d'avoir fait un super match et d'avoir perdu 3-2. Parce que ça t'arrive. Mais là, voilà, ce qui prime, c'est la victoire. Mmh. Ouais, c'est les 3 points. Et t'as 3 points. Ouais. Et action! Action! Bon, aujourd'hui, vous êtes Paul Massivé. Donc, auteur d'une passe. Salut. Victoire 3-0. Un petit débrief, parce que tout à l'heure, vous êtes un débrief à chaud, maintenant c'est à 3. Comme j'ai pu le dire, franchement. Match compliqué, Ronny l'a assuré, blanchissage, on a pris nos cliques et nos claques, on rentre. Bah on rentre, entre guillemets, parce que nous les U20 on va où? Nous, à 6h, tac tac, on prend nos sacs, on change de bus, on va à Cham, on arrive vers 10h, qu'est-ce qu'on fait? Petit foot, après petit match, on gagne, et on voit ce qu'on fait. Bah attends, parce que si on gagne, qu'est-ce qui se passe si on gagne? On monte en poule A, donc c'est-à-dire les 4 meilleures équipes françaises de la Ligue U20. Oula, 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 oula. Et je vais dire. T'as dit quoi au playoff? On n'en est pas loin, je crois. Quasi. Quasi. Ah non, mais c'est la bière de la récup. C'est la bière de la... Non, de la récup. La récup, c'est vrai. La bière après le match. Toujours. Maintenant, c'est à Paul de filmer. Salut. Ça va, Raph? Qu'est-ce que t'as fait? Soirée très dure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Petite bagarre, 20 grammes. Ah bon? Vas-y, tu peux nous la montrer. Vraiment, parce que c'est vous. Hein. Là, vous savez quoi? Non, non. Preuve que l'hockeyeur, ça botte le clos, pas de la bière. Voilà. 10 000 buts et je la montre. Non, 10 000 likes et je la montre. Kevin, qu'est-ce que. Kevin. Les gars, qu'est-ce que. C'est victoire 3-0, on n'en parle plus, merci, et au revoir. L'après-match? Et l'après-match, parfait. Zinat, on a besoin de toi. Le mec qui a parlé. Débrief du match. Ronny, blanchissage. Voilà, c'était. Voilà, tchuss. Et Raphaël. A bientôt. Encore un peu, mais. Ça va aller frais. Bon, après, ça va, t'as bien dormi. Oui. Que quelques bonnes heures de sommeil et ça. Voilà. Et après, on enchaîne sur un autre match. C'est ça. Quelle heure, Lara? Quelle heure? Je sais pas, je suis gratté sur Tom. Non, je crois qu'il est genre 6h. Oh la vie, petit. Elle est ouverte en plus. Non, on fait calme. C'est bon, t'as pas oublié ton sac? Ah non, moi j'ai mon sac par contre. Hein. J'ai les 3 points aussi. Ouais, on est arrivé. Wouh.